Elenge sepela yo elenge na bolenge na yo kasi yo yebaka maladie ezalaka kufa pe ezalaka tribunal ekozala kasi lelo na kati ya beglesia bato bakoma koelela bozwi ya se losambo bato epai ya papa kolopesanga libala voyage pe mbongo kasi nini tokomonaka na se nsima ya kozwa bozwi oyo nyonso kaka mosala apesi yo ndeko na nga ekomi kokimisa yo ndako ya losambo libala oyo apesi yo ndeko na nga ekomi kokimisa yo ndako ya losambo natina nini nazanga lola bobisengo ya mokili eza natina te natina nini nazanga lola bobisengo ya mokili eza efemere natina nini nazanga lola bobisengo ya mokili ekoleka nango masi asimba kondima na ngai onga na ndimi na umela pembeni na yo bawelelanga mokili tonge bakota na malita bakenda oyanga nzambe se moko yesu moko yango ndekuna solo bato te takompli bambongolo to mpe nini na wela te mpo nayebi yo ozali kondia motuya okangolanga opesanga oyo ebongi na nga naluka banganga kifita ngai oyo kasi na moke oyo opesi nga nzambe sunganga na pengwa te nga erlito vasco natina nini natina nini nazanga lola obisengo ya mokili eza ntina te natina nini nazanga lola obisengo ya mokili eza efemere natina nini nazanga lola obisengo ya mokili ekoleka nango masi asimba kondima na onga na ndimi ya umela masi asimba masi asimba kondima na ngaye onga na ndimi na umela pembeni na yo. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, comme vous le voyez, comme vous le savez, comme vous le constatez, nous sommes sur votre chaîne Pactol TV et en plein studio de votre mission Voici mon œuvre. Alors je suis votre humble serviteur, le Vangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de la stabilité spirituelle et physique, notre frère Erlito Vasco, qui est venu nous parler de son concert le 7 juillet à 19h, donc le chiffre 7. Alors, sans tarder, je vais vous laisser de recevoir dans vos différents demeures la présence de notre frère Erlito Vasco avec son groupe Amour Parfait. Bonjour. Shalom. Shalom. Gloire au Seigneur. Alors, très content d'être là. Pour, c'est un plaisir partagé, comme nous avons toujours l'habitude exactement de te recevoir ici même sur exactement notre plateau de Pactol TV. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à l'instant, nous venons d'entrer avec une petite a cappella que vous venez de pouvoir nous donner un avant-goût déjà pour votre concert. Que Paris déjà est informé et par rapport à cela, alors je voudrais que tu puisses d'abord saluer le peuple de Dieu qui nous suit de partout et par la suite nous présenter ton groupe Amour Parfait. Qui est ici présent avec nous sur le plateau. Ok, je vous salue tous, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis, partout où vous êtes.
vous qui me suivez, je vous salue, c'est moi le frère Erito Vasco, Yalito le véritable. Je suis encore dans la joie de pouvoir me présenter au-devant de vous. En tout cas, que la paix, l'amour, la grâce de Dieu vous visite à l'instant où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes avec le frère Erito Vasco. Donc, n'oubliez pas, il est venu nous parler de son cancer le 7 juillet. Alors, le frère Erito, pourquoi vous avez initié d'abord ce cancer du 7 juillet? Et cette fois-ci, vous avez voulu associer le groupe et votre groupe Amour Parfait. Essayez plus de nous présenter les personnes qui composent ce groupe. D'accord, oui, donc merci. Donc voilà, c'est le groupe Amour Parfait. Je suis venu avec un petit échantillon. Amen. Parce que vraiment, Amour Parfait, c'est une grande famille. À gloire au Seigneur. Mais les gens qui étaient disponibles aujourd'hui, c'est eux. Donc je peux vous les présenter. Nous avons Jérémy Droum qui est là. Lui, c'est le Benjamin du groupe. À gloire au Seigneur. Il joue la guitare, c'est plus petit. Très talentueux en tout cas. Amen. Que j'aime beaucoup. Juste à sa gauche, il y a le chef d'orchestre, Davy Bass. Oh, Monsieur Davy, comme on l'appelle, comme vous le connaissez, donc voilà, très talentueux aussi. Gloire au Seigneur. Derrière lui, il y a Papa Mapasa, Landry Dickerson. Gloire au Seigneur. Donc lui, c'est un des père chantres, double. Père double. Donc lui, il est venu avec la stabilité, il a dit non, un an, deux, voilà Moko. Gloire au Seigneur. Donc voilà, et tout juste après, c'est de l'onction. Joseph Vasco, le drummer d'onction. Ah, gloire au Seigneur. Donc il est là aussi, d'onction. Il est présent. Voilà. Il constitue le groupe. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Gloire à Jésus. Alors, Amour Parfait. Et pourquoi vous avez intitulé votre groupe au nom d'Amour Parfait? Oui, donc Amour Parfait, parce que je pense que la base de notre existence, la base de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour qui est celui qui a été prononcé, celui qui a été manifesté au travers du Père par son Fils. Et sur la terre, il y a différentes sortes d'amour. Mais l'amour qui est parfait, c'est celui de Dieu en fait. Sans intérêt, sans arrière-pensée, sans tache ni ride. Donc l'amour que nos parents peuvent nous apporter, qui est si fort, n'est rien au-devant de cet amour-là que Dieu nous apporte. Gloire au Seigneur. Donc vous voulez, au fait, utiliser cet amour dans votre groupe pour vivre. Est-ce que vous vivez le reflet, au fait, de cet amour? C'est ce qu'on propage. C'est ce qu'on propage. Surtout qu'on dit que dans le monde, on a toujours un langage, disons que non, on n'est pas parfait. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais en Christ, nous sommes parfaits. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, mais en Christ, nous le devenons. Voilà, exactement. Par rapport à ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Paris est en train de pouvoir être en mouvement déjà pour se préparer de cette date du 7 qui est en train de bouger déjà dans les réseaux sociaux. Exactement. Alors, nous voulons précisément savoir le but de ce concert et où ça va se dérouler. D'accord, donc le but de ce concert, de cet événement, c'est seulement de pouvoir donner la place à Dieu, lui rendre gloire. Parce que vous avez dit à Dieu la première place. La première place. Donc qu'il soit vraiment au-dessus de tout, avant tout, que ce jour-là, vraiment, qu'il y ait que son nom qui puisse être vraiment glorifié, qui puisse être cité, donc qu'il puisse vraiment prendre la première place dans nos vies. Quoi. Mais des fois, nous le mettons en second lieu. Oui. Oui, oui. Par rapport à souvent. Par exemple. Mais nous sommes des hommes. Vous savez, nous sommes des hommes. Nous trébuchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, on a beau dire, on peut demander qui aime Dieu, tout le monde va lever la main. Mais le dimanche, tout le monde arrive en retard. Donc, d'une part, on dit qu'on l'aime, mais d'une autre part, cet amour-là vraiment n'est pas vraiment. Parfait, quoi. Parfait, exactement. Parce que nous arrivons en retard. Or, une personne que tu aimes, est-ce que tu vas arriver en retard? Non. Or, que ton fiancé qui te donne un rendez-vous au McDonald's, tu vas arriver à l'heure, tu vas te préparer. Même tu vas dormir, travail. Tu vas te dire. Même le travail, papa. Mais pour Dieu. On voit que Dieu, des fois, passe à la deuxième position. Donc, c'est ça. Gloire au Seigneur. Alors, pourquoi la date du 7? Le 7. Le 7 juillet. Le 7-7, à 7 heures du soir. Du soir. Ouais. D'où vient cette inspiration? En fait, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir jouer ce jour-là. On était en prière, on était en train de voir nos projets, et c'est la journée du 7 qui est ressortie. Après, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que, bon, on sait que c'est ça. On vit par rapport à sa volonté. Donc, si c'est tombé ce jour-là, c'est que Dieu est dans ce programme-là. Après, Dieu, il peut être aussi dans le 10, il peut être aussi dans le 5. Vous voyez? Donc, on ne veut pas trop se focaliser sur le chiffre, mais Dieu peut tout utiliser. Il y a une très grande importance dans. Le chiffre 7, oui. Le chiffre du repos. Oui, je suis bien d'accord. Je suis d'accord. Mais vous savez, même avec le chiffre 1, Dieu peut faire quelque chose. Même avec le chiffre 2. Non, cela ne dépend pas du chiffre, c'est là du temps de Dieu. Exactement. Moi, pour moi, je pense que Dieu est au-delà. C'est-à-dire que ça aurait tombé un 16 juillet, 1 plus 6, ça fait 7.
Je vais pas faire exprès. Mais moi, pour moi, je me dis, même si c'était un 22, même si c'était un 23, Dieu n'aurait... Dieu est au-delà. Et vraiment au-delà. Au-delà de nos pensées. Vous savez, le 7, c'est nous, on pense que le 7, Dieu sait dans le 7. Mais dans le 8 aussi, il est. Oui, mais bah, vous avez choisi le 7 au 7, au 7 du soir. Donc, il y a quand même, non, mais vraiment, il y a une révélation. Mais cette profondeur-là. Vous l'avez voulu que ça soit le soir, tandis que les concerts, à l'heure actuelle, ici à Paris, ça commence dans les 16h, 15h. Mais vous l'avez apporté à 7h du soir pour pouvoir se relier avec votre chiffre fameux 7. Bien que aussi vous êtes né le 7 juin. Alors dites-nous un peu le mystère de ce 7. Non, c'est vrai que le chiffre 7 est ma personne. Mm. C'est une longue histoire depuis la naissance. Mm. Mais ce jour-là, je vais vraiment développer. Ah bon, donc, ouais, ce jour-là, je vais vraiment développer. Parce que c'est vrai qu'il y a un secret. Oui. Mais il faut venir. Il faut venir. Il faut venir. Blanc, Seigneur, pour pouvoir continuer notre mission, j'aimerais que vous puissiez encore nous entonner une chanson qui va nous faire et rentrer dans la présence du Seigneur en route vers le 7 juillet. En route vers le 7 juillet. Mm. On va chanter l'heure a sonné, l'heure a sonné de pouvoir proclamer tout haut que Jésus est le nom qui sauve, Jésus est le nom qui guérit. La situation que tu as, c'est une situation qui a une fin. Laisse-moi te dire, ta situation a une fin et cette fin-là vient à partir du nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus et tu verras le miracle dans ta vie. Oh oh, mwinde pelie, nana koya molili. Malili ekeye tiki mulunge asala kati kati na biso esengo kime kotona na tomboli miso likolo ya ngomba esika makasi ekoya oh ata butse bimie na koki kobanga lisusu te bakoshoma na ngano remplacé et komi bando toi kitoko où je suis assis parmi les anges. Les fleurs m'entourent, les hirondelles chantent des mélodies. Je suis au paradis des gens heureux. Pa la 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 la. Ngonga ngonga, ah eh ngonga eh. L'heure a sonné, mino konesbe koganga kombo. Kombo na ye, rabi e chandayi. Kombo, yalo biko, ebikisa ka babeli, bakoka, bae batambola kate. Ngonga yo yo, ah ngonga l'heure a sonné, mino konesbe koganga kombo. Kombo na ye, rabi e chandayi. Kombo, yalo biko, ebikisa ka babeli, kate. Dikansone yemba bisengo ya mokili na nakoi banyase ya mokili na nakoi bisengo ya mokili na nakoi naponi zenzela nzela Yesu Mesia yes bisengo minanga motema nanga Bimba, ebanayo shilo eh. Oh ngonga yo yo, eh ngonga eh. La sonne mino konesbe koganga kombo o kombo na ye Rabi e Shaddai kombo yalo biko ebikisa ka babeli bakoka bae batambola kate. Gloire au Seigneur, nous acclamons le Seigneur pour ce moment, l'heure a sonné. Gloire à Jésus, gloire amen, à Jésus, amen, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, c'était justement un avant-goût parce que le 7 juillet, ça sera où actuellement? À Paris? Oui, donc le 7 juillet, l'équipe de la capitale va se produire à Paris, à Belleville. Donc ligne 2 ou ligne 11, c'est aux Zèbres de Belleville. La salle Le Zèbre de Belleville, ce n'est pas difficile à trouver. Donc juste à la sortie du métro, vous verrez sur votre gauche, c'est bien indiqué, en grand, la salle Le Zèbre de Belleville. En plein Paris. En plein Paris, papa. Gloire au Seigneur. Amen. La stabilité toujours. Ah, papa, stable. Gloire à Jésus. Donc comment nous allons savoir pour y arriver par rapport à la participation bien, l'entrée de ce concert. Oui. Et comment les téléspectateurs ou encore
ceux qui aiment adorer et louer le Seigneur, s'ils veulent participer à cette réunion, et où est-ce qu'ils peuvent contacter pour trouver des billets d'entrée? Oui, donc... Essayez de nous éclaircir sur ce point-là. Exactement, c'est très important, très capital. Donc cette journée-là, nous avons mis un droit d'entrée qui n'est pas si cher que ça, c'est un petit rien, de 5 euros en pré-vente. Donc 5 euros en pré-vente, c'est-à-dire que vous pouvez nous contacter. Nous, pour l'instant, nous avons un programme où nous allons tourner dans les assemblées. Chaque week-end, nous allons tourner pour pouvoir vous faire bénéficier de cette pré-vente-là. Mais vous pouvez toujours nous contacter au travers de mon Facebook, Rito Vasco ou Amour Parfait. Là, vous pouvez nous contacter. Il y a une équipe qui est chargée, qui pourra se déplacer où vous êtes pour vous apporter vos places. Donc c'est à 5 euros en pré-vente. Mais par contre, le jour J, ça sera à 10 euros. Donc voilà, pour les enfants moins de 13 ans, moins de 12 ans, c'est gratuit. Juste les parents, vous venez avec vos enfants et vous achetez un billet symbolique et vous pouvez rentrer avec les enfants gratuitement en tout cas. Alors, venez nombreux, vraiment c'est la famille quoi. On a vraiment voulu mettre un petit prix pour pouvoir... Pour même permettre à toutes les personnes de participer. Exactement, de rentrer. Alors pour un numéro de contact, si la personne... D'accord. Pour rendre, parce que toute personne n'a pas un compte Facebook. C'est vrai, c'est vrai. Donc vous pouvez joindre l'organisation au 06 28 94 02 32. Donc 06 28 94 02 32. Et là, vous pourrez recevoir tous les renseignements sur... Gloire au Seigneur. Et nous, on va insister dans l'heure du concert. Parce que le 7 juillet, 7 heures du soir. Le 7-7. Alors. À 7h07. Ah bon, gloire au Seigneur. Soir. Du soir. Alors, dites-nous, est-ce que l'heure sera respectée? Parce que tout à l'heure d'entrée, nous avons voulu savoir l'amour parfait pour ne pas désobéir. Exactement, papa. Aux instructions de Dieu. Donc, l'heure. Nous avons du mal à respecter l'heure. C'est vrai que nous avons du mal à respecter l'heure, mais je pense qu'il est temps. Et les gens qui nous suivent, les gens qui me connaissent, ils savent déjà que même au travers de l'activité, déjà un moment d'intimité, on n'attend pas que les gens puissent être là. Donc pour nous, ce jour-là, c'est Dieu qui a la première place. C'est-à-dire qu'à 19h, si vous êtes encore chez vous en train de vous préparer, sachez déjà que le concert va démarrer. Donc le but, c'est que qu'il y ait une ou deux personnes à 19h, nous, nous allons démarrer en fait. Parce que cette journée-là, nous la consacrons seulement pour Dieu. Amen. Seulement pour Dieu. C'est pour ça que je vous demande de pouvoir respecter vraiment l'horaire, d'être là même à 18h, d'être là avant, afin qu'à 19h07, nous puissions démarrer vraiment tous ensemble. Ça serait vraiment une réussite. Et j'encourage aussi mes bien-aimés dans nos assemblées, dans nos organisations, de pouvoir faire en sorte de pouvoir respecter l'heure. C'est une sorte d'évangélisation par laquelle nous pourrons aussi gagner aussi d'autres personnes. Vous savez, il y a des personnes qui sont sensibles. Les Européens sont très sensibles par rapport à l'heure. Vous pouvez leur donner un programme. Ils savent que de 19h à 21h, par exemple, ils seront avec l'amour parfait. Mais à 21h05, ils ont déjà un autre rendez-vous. C'est-à-dire que si nous, on commence en retard, ça décale aussi notre rendez-vous. Donc, d'une part, c'est comme si on ne les respectait pas. Donc, c'est un peu ça. Gloire au Seigneur, l'ordre qui précède des miracles. Si tu veux vivre un miracle dans ta vie, il faudra mettre de l'ordre dans amen, tout ce que amen, tu fais. Amen, amen, amen. Alors, pour cela, nous voulons savoir un peu l'organisation. Comment ça va se passer? Comment le déroulement de ce concert? Quels sont les invités spéciaux que tu as invités ou quelles sont des personnes qui vont te soutenir de participer ce jour-là avec le groupe Amour Parfait? Oui, donc c'est vrai, ce jour-là, c'est Amour Parfait qui est à l'honneur. L'équipe de la capitale, mais nous avons des invités comme la sœur Lisa Orlando qui va venir, qui va nous interpréter son titre Solution. Nous avons aussi le groupe Les Étoiles qui viennent d'Allemagne. C'est des amis à nous, donc vous connaissez déjà les frères Glory, ainsi que je salue aussi le président Antoine. Et il y aura aussi la sœur Ira Blessing qui sera là aussi pour interpréter un de ses titres. Bruxelles, voilà, de Bruxelles exactement. Et le frère Flumeau Maudit aussi. Ok, gloire au Seigneur. Alors, pour cela, nous voudrions aussi savoir, quelle est l'entente aussi avec d'autres artistes? Parce que vous avez cité ces quelques-uns. Alors, je voudrais savoir l'entente, comment vous vous comportez? Est-ce que tu les as sollicités? Est-ce que tu les as invités? Et puis, une chose que j'aimerais aussi souligner, il y a une chante de l'Éternel qui m'a parlé par rapport aux hommes de Dieu. Deux fois, on est indifférent de participer au concert. Mais on veut toujours inviter les artistes de participer à nos conférences, nos séminaires. Mais lorsque c'est maintenant au tour des artistes d'un concert, après qu'ils viennent, ils ne viennent pas.
Alors dites-nous, c'est triste. Quel est ce dysfonctionnement-là qui se passe dans le milieu chrétien? C'est triste, mais c'est pas grave. Non, il y a un problème, il y a un souci, non. On doit le régler. Tu sais, papa, si on s'attarde dessus, ça va devenir un souci. Vous voyez? Si on s'attarde dessus, ça va devenir un souci. Moi, je pense que Dieu nous a mis à cœur de faire cet événement-là. Que les personnes qui vont venir, qui seront disponibles à être là, s'ils viennent, gloire à Dieu. Non, je ne tarde pas de... Peut pas venir. Je parle du... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Nous, les chantres, on souffrait par rapport à ça. Je ne voudrais pas m'attarder, mais on souffre de ça, parce que c'est vrai qu'on soutient beaucoup les hommes de Dieu, mais c'est vrai qu'en retour, souvent, ils ne nous rendent pas la balle, en fait. Vous voyez? Mais je sais que le 7, ça peut changer. Amen. Je sais que le 7, ça peut changer. Ou peut-être, particulièrement, vous n'allez pas les inviter. Parce que de temps que vous invitez, que non, ils venaient nombreux, bon, les hommes de Dieu, ils ont peut-être leur responsabilité dans le sens qu'ils ont tellement au-dessus, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Bon, il faut que tu aies avec une petite enveloppe de dire que non, voici ton invitation, viens, ceci. Est-ce que peut-être vous ne l'avez pas peut-être utilisé cette procédure? Peut-être, voilà, parce que tu ne sens pas concerné. Non. Mais vous avez soulevé un bon point. De pouvoir les donner les invitations. J'avais fait des invitations, mais c'était sur Facebook. Mais sur papier, je pense que ça va être mieux. Vous savez, bon, c'est quand même des hommes de Dieu, c'est des pasteurs. Cet honneur-là, je pense que ça leur fait aussi du bien. Tout à fait. Donc, on va y songer, de pouvoir aussi donner des invitations en papier. C'est important. C'est pas mauvais. Ce sont nos pères. Ils ont aussi beaucoup parce de préoccupations. C'est mieux que la personne a reçu l'invitation qui n'est pas venue. Tu prends en compte. Mais si une personne qui parfois il n'était pas informé, tu lui dis que non, mais vous n'avez pas l'habitude de venir à nos concerts. Bon, là, tu parles dans le vide. Lorsque tu as une liste des invités que tu as préparé et que tu les as envoyé les invitations, s'ils ne sont pas là, là au moins ils doivent se justifier par rapport à leur absence. On peut toujours oublier, papa. Ah oui, ça arrive. Hein. J'invite tous les évangélistes Rodrigue, évangéliste Prosper Tiemang. Maintenant, j'oublie l'évangéliste Prince Kouka. Vous voyez? Ouais, ça peut arriver, je suis un homme. Oui, après la personne. Mais si vous voyez l'affiche, vous savez déjà que non. Mon frère est là, donc il va se produire, je vais aller le soutenir. Et je pense que c'est aussi ça que Dieu nous demande. L'union fait la force. Exactement. Nous devons être ensemble. C'est juste pour l'œuvre de Dieu. Stabiliser les choses. Stabiliser les choses pour que les choses puissent aller de l'avant. Alors, pour les amis chantres. Oui. Quelle est la relation? Non, les relations sont bonnes. Ici même à Paris. Les relations sont bonnes. Comme j'avais dit, Nganazongi. On est revenu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas produit. Dans Tozongi, on est venu pour apporter la stabilité. Donc que tout le monde soit calme, dans l'amour. Mais de toute façon, moi, on me connaît. Moi, j'ai des problèmes avec personne. J'aime tout le monde, je soutiens tout le monde. Quand je reçois tout le monde ici, tout le monde a des problèmes avec personne. Après, il y a des réalités. Vous savez, le problème, c'est quoi? Dans notre milieu aussi, quand tu commences à dire la vérité, on commence à dire oh non, frère, fallait pas. Vous voyez? Mais on est ensemble. Tout le monde avec toi, avec personne. On est ensemble. Je sais pas, dit Carson. Hein? On a le problème avec qui, nous? Voilà. Nous, on est comme la Suisse, il n'y a personne, on a le problème avec personne. Gloire au Seigneur. Nous acclamons pour le frère Vasco. Gloire au Seigneur. Alors, mes chers amis, donc, les chants de l'Éternel, les adorateurs, voilà, vous qui connaissiez aussi le frère Erlito Vasco, voilà, ce jour-là, vraiment, mettez cette date-là dans nos différents agendas pour que nous puissions venir soutenir notre frère dans la foi, pour que le Seigneur soit glorifié. C'est le but que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Amen. Parce que, voilà, nous sommes là au temps de la fin, le but c'est rassembler et être en communion comme les apôtres. Pour pouvoir, en fait, allumer le feu que... Non, c'est l'unité, hein. Voilà, l'unité fait la force. Juste un petit truc pour rajouter. En fait, il faudrait qu'on puisse comprendre que le frère Landry, la capacité qu'il a, le don qu'il a, c'est un plus pour moi. Amen. Moi aussi, ce que j'ai, c'est un plus pour lui. C'est-à-dire que jamais je serai lui, jamais lui sera moi. Mais Dieu a fait en sorte que nous puissions être différents pour pouvoir se compléter. C'est pour cela que quand vous voyez votre frère se produire, votre sœur, n'hésitez pas, soutenez. C'est le corps du Christ. Soutenez. Tu es le bras, l'autre est le pied. Exactement. Donc on se met ensemble pour... Il faut qu'on puisse impacter ce pays. Amen. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais pourquoi ça ne tient pas? Il faut brusquer. Il faut brusquer, aimons-nous, il faut s'accepter, il faut se pardonner, papa. C'est important. Vous prêchez aujourd'hui. Moi aussi, je peux être amené à prêcher.
Et vous, la grâce que vous avez, ce n'est pas celle que j'ai. Amen. Dieu fait grâce à qui vous... Mais si vous, vous réussissez, je dois me réjouir. Parce que c'est le nom de Jésus qui part en avant. Amen. Amen. Si on arrive à comprendre seulement cela, vraiment, ça serait une réussite totale. Surtout peut-être chacun a ses intérêts derrière. Peut-être, voilà, on se met en profit de ce... Mais c'est ça, c'est pas peut-être, papa. C'est vraiment ça. Beaucoup chantent pour Dieu, mais ne chantent pas Dieu. Gloire à Jésus. Ah. Ça, c'est un sujet à développer. Toi qui nous suis. Alors, nous chutons vers la fin de notre mission. Nous continuons toujours pour parler de ce concert Amour et le concert avec le frère Vasco et le groupe Amour Parfait. Alors, combien de personnes constituent votre groupe? C'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est vraiment une grande famille. Gloire au Seigneur. Alors, et... si c'est une grande famille, alors qui est derrière en fait ce projet par rapport à la production? Parce que là, c'est un concert, bouf, 777, et en plein Paris, alors on ne comprend plus rien. Bon, alors, qui est le producteur? Lui-même. Lui-même, le Seigneur Jésus. Lui-même. Ah, là, c'est ça encore, ça devient encore une... Lui-même. Mokonza chiffre 7. C'est lui qui produit. Lui-même, il produit, en tout cas, avec le peu de moyens qu'il nous a donné. On a mis ça pour lui rendre gloire. Mais toutefois, s'il y a des personnes qui sont touchées, qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Un petit 1 euro, un peu 10 euros, pourquoi pas 10 000 euros. Donc, la porte est vraiment grande ouverte. Comme je vous ai donné le contact tout à l'heure, sur Facebook ou sur mon numéro de téléphone, vous pouvez toujours apporter une petite contribution. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, pour l'heure finale de ce concert, vous avez donné à 7 heures du soir 0 et 07. Alors, maintenant de finir. Donc, 7 heures du matin 07. Parce que là nous parlons de chaussettes, alors qu'est-ce que tu dis? Non, ça aurait été bien, hein. Mais d'autres pasteurs, ils se rencontrent, parce que je dis, ah, mais nous, il y a l'église, tout ça, donc... Encore, c'est un samedi. C'est un samedi. Non, donc on va commencer à 19h, et je pense qu'on va, chuter vers les 22h, 22h30. Gloire au Seigneur. On va être ensemble vraiment, vraiment, une bonne partie du début de soirée. Comme ça, après, quand vous rentrez, chez vous pour le culte... Qui prennent des transports en commun. Exactement. De toute façon, les transports, ce n'est pas difficile à trouver. Mais après, on ne veut pas partir trop tard comme il y a les cultes le lendemain. Mais c'est un peu ça. Donc nous aussi, les enfants de Dieu, le samedi soir, on peut sortir. C'est pas seulement le samedi après-midi, vous voyez. Non, c'est important. Ah, samedi, ah, ça, le chiffre 7, là, tu ne peux pas manquer. À 7h du soir, à 07, ah non, c'est fort. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ce fameux concert. Donc, à Dieu la première place. Amen. Le samedi 7 juillet 2018 à 19h. Donc, à Paris, donc à la salle... Le Zèbre de Belleville. Belleville. Belleville, ouais. De Belleville, pardon. Donc, venez nombreux. Achetez massivement déjà vos billets en pré-vente. C'est 5 euros. Donc, la moitié du prix. Et si vous venez toujours comme des retardateurs, vous aurez à payer à la veille 10 euros. Donc, vous allez encore perdre 5 euros de moins, de plus. Payer 5 euros de plus. Donc, il est temps que tu puisses déjà contacter les organisateurs pour que tu puisses bénéficier de cette grâce-là qui nous est offerte par notre frère Erlito Vasco et son groupe Parfait, Amour Parfait, pour célébrer, adorer, exalter, glorifier et proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit que l'heure a sonné. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pour... la précision, personnellement, particulièrement pour chacun de vos invités, est-ce que nous pouvons adresser ce que le Seigneur nous met à cœur au travers des bien-aimés dans le Seigneur, qui aiment Dieu, qui aiment louer, adorer Dieu, ce jour-là, qui ne manque pas, qui viennent pour pouvoir célébrer le Seigneur. Je voudrais qu'à tour de rôle, que chacun d'entre nous puisse lancer un appel pour l'invitation de chacun. Je vais commencer. J'invite tout le monde, le peuple de Dieu, comme frère Alito a dit, c'est aussi l'occasion pour nous, les chrétiens, de sortir un peu le soir. Parce que souvent, les chrétiens, on sort souvent pendant la journée et on a aussi droit de sortir pendant la nuit ou les soirs. Là, c'est pour ça que je vous invite tous à venir louer Dieu et adorer Dieu avec le groupe Amour Parfait. Le 7, n'hésitez pas, venez avec les amis, la famille, tout le monde, tout le monde. Il y a de la place, il y aura de la place, la salle est grande, il y aura de la place pour tout le monde. Amen, donc n'hésitez pas d'inviter tout le monde, les amis, la famille, et prenez aussi vos billets en avance pour que vous payiez moins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, gloire au Seigneur.
Alors moi, je lance un appel à tous. Je lance un appel personnel. Donc, le 16 juillet, à 7h du soir, à Belleville. Donc, c'est vraiment une très belle salle. C'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas produit sur scène en concert officiel. Et là, on a dit que cette année, vraiment, on allait vraiment mettre le paquet. Donc là, on vous invite tous le 7 juillet à Belleville. Après le 16 juillet, il y aura plein d'autres surprises qui arrivent aussi. Donc, restez connectés sur la page Amour Parfait Facebook, le Facebook Arrêté Vasco. Et puis, il y aura beaucoup d'autres informations qui vont venir. Mais pour l'instant, c'est le 7 juillet. D'accord, arrêtez de dire. Gloire au Seigneur, c'est le 7 juillet à 7h du soir. Gloire à Jésus. Bon, moi, Jérémy Droum, je vous invite au concert d'Amour Parfait le 7 juillet. Ne manquez pas. Il y a aussi votre bénédiction à la clé. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, le frère Jérémy Droum, donc sachez-le que ce jour-là, il va vous amener dans la profondeur de Dieu au travers. Il va casser la baraque. Ce jour-là, mes chers amis, attendez-vous. Parce que vous allez danser, il y a tellement de chants inspirés que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, moi, Josh Basco, j'invite tous mes frères, mes sœurs, mes papas et mamans, tout le monde. Venez tous, venez nombreux. Pour ceux qui aiment la bonne musique, venez aussi, la musique de qualité. Venez, vous allez être bénis, vous allez avoir quelque chose aussi. Vous n'allez pas repartir comme vous êtes venus. Le 7 juillet à 7h du soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une seule date, un seul lieu, Belleville le Zèbre. À Paris. Gloire au Seigneur. Le frère Vasco, quel est le style de la musique que le peuple de Dieu doit s'attendre ce jour-là? Donc le style que vous allez nous amener. Ce jour-là, comme mon frère l'a dit, on a mis le paquet. C'est-à-dire, franchement, cette soirée-là, ce sera une soirée riche en diversité de styles. C'est-à-dire que ce jour-là, vraiment, je voudrais que les gens puissent venir et sentir qu'ils sont venus à un concert. C'est-à-dire que tout ce qui est rumba, on va faire cela. Tout ce qui est soukous, on va faire cela. On a du zouk, on a des sons typiques acoustiques. Donc, il y a vraiment différents styles de musique. Donc, là, c'est pour ça que je suis venu avec un échantillon, mais vous allez d'un autre côté, vous verrez, là on a cherché chanson à Lingala, vous verrez que vraiment, on est parti dans un autre monde. Mais bon, venez, ce jour-là vraiment diversité de styles, venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Gloire au Seigneur, le 7 juillet 2018, à 19h, donc 7h du soir, 07, un concert, adieu la première place, l'invitation vous est lancée, et saisissez cette date, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, avec le groupe Amour et Parfait de notre frère Erlito Vasco, dans l'émission Voici mon œuvre. Que Dieu vous bénisse. C'est super! Florent Musical? Ah oui, ça c'est bon! C'est super! Florent Musical est toujours à la page, recherchant les éponges à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les éponges à la source. Les chrétiens posent des questions qui restent sans réponse. Parce que ceux qui ont la connaissance n'ose pas en parler. D'accord ou pas d'accord, pour ou contre, les uns diront oui, les autres non. Venez sur le plateau, dire tout haut ce que vous pensez, tout bas. Ne le gardez pas pour vous, osons en parler. Osons en parler pour lever plusieurs équivoques dans la vie des chrétiens.
nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambo. Kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sûr. Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence.